Voilà déjà 8 mois que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont décidé de quitter l'Angleterre pour l'Amérique. Le 15 septembre dernier, le fils de la princesse Diana a donc soufflé son tout premier anniversaire à Los Angeles, pour ses 36 ans. Cette belle journée, le prince Harry l'a bien entendu passer en compagnie de Meghan Markle et de leur fils Archie, âgé d'un an et demi. Selon les informations de Hello Magazine, tous ont célébré l'anniversaire du prince Harry, en famille, avec très certainement la présence de Doria Ragland, la mère de l'ancienne actrice de la série Suits. Pour l'anniversaire de son cher et tendre, Meghan Markle a eu une idée plutôt originale de cadeau. Au mois de juillet dernier, les deux tourtereaux ont officiellement emménagé à Montecito, une ville cossue voisine de Santa Barbara, qui se trouve à 2 heures au nord de Los Angeles. Étant donné que désormais toute la petite famille Sussex vit le long de la côte californienne, la duchesse a eu l'idée d'offrir au prince Harry des leçons de surf. Selon les informations de page 6, Meghan Markle a acheté des cours de surf à son mari, et il adore ça. Il faut dire que ce sport de glisse est une véritable institution en Californie. Harry adore Montecito, Meghan lui a offert des leçons de surf pour son anniversaire, et il passe de super moments, a confié une source. Harry, un mec californien normal en juin dernier, alors que le couple vivait encore dans la villa de l'acteur Tyler Perry à Los Angeles, le prince Harry avait été repéré en train de faire du vélo près d'une plage, avant d'aller surfer. Harry faisait du vélo à Surf Friday Beach à First Point, où l'on voit les surfeurs arriver. Il était tout seul, il portait une tenue de vélo blanche, rouge et noire et portait, bien sûr, un casque, avait confié un témoin au Hollywood Life. Il semblait qu'il allait surfer car il s'est arrêté pour vérifier les vagues. Harry a vraiment l'air d'aimer sa vie post-royauté et d'être un mec californien normal. Il semblait super à l'aise et normal, avait ajouté la source. Comme quoi, pas besoin de vie de château pour être heureux.